Bien, j'espère que vous allez bien. En tout cas, this is Lost. Bah, putain. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moment, je vais réussir à faire une intro bien? Genre, attendez, on va la refaire. Salut à tous, amis, c'est Flappin. J'espère que vous allez bien. En fait, faut que je parle doucement. Si je parle trop fort, ça marche pas. Donc, voilà, les gars. Donc, du coup, nouvelle vidéo comme prévu pour vous montrer l'emplacement de l'arme de Chimera mythique. Donc, voilà, elle est en fait, elle est juste à Hydro 16. Avant, à Hydro 16, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un bot qui avait une AK Gold et un lance-roquette épique. Donc, c'était dans la saison d'avant ou encore celle d'avant, je crois, je sais plus. Donc, c'est à Hydro 16 entre Slurpee et Misty, je crois. Ou non, il y a une autre ville entre les deux, enfin je sais plus. Donc du coup les gars, on va se retrouver tout de suite ici. Donc en fait voilà, non, c'est entre Slurpee et Misty, c'est juste là en fait. Voilà. Juste ici du coup vous aurez l'arme mythique, donc le boss avec l'arme mythique. Donc en fait le boss c'est le skin du pass de combat. Est-ce qu'il y en a un là pour que je vous le montre? Non, il y en a pas. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je peux le voir là? Non, faut pas le voir là. Bon, c'est pas grave. Vous allez le voir dès qu'on va arriver. Hop, donc voilà. Donc là du coup les gars, on va se retrouver tout de suite là-bas pour essayer d'avoir l'arme. Donc le boss est pas trop difficile à tuer, hein, franchement. Le boss n'est pas trop difficile à tuer. En plus il a que cette arme là je crois. Donc franchement il est assez simple à tuer, on va dire. Après l'arme les gars, pour vous donner mon avis, moi l'arme je ne joue jamais avec parce qu'elle est vraiment très enfin. Je vais pas dire qu'elle est nulle. En vrai de vrai la mythique elle est bien. Genre elle fait du 12 de dégâts et c'est en continu. Donc en vrai de vrai elle fait mal. Mais après je vous avoue que c'est pas mon arme favorite quoi, hein. Franchement c'est pas mon arme préférée de toute la, enfin, de la saison pour l'instant. Je crois que les gars, mon arme préférée de la saison moi là c'est le ray gun. Franchement les gars, je kiffe tellement le ray gun, j'ai fait tellement de kills avec. Je crois que c'est, ouais, franchement je kiffe le ray gun. Donc voilà. Du coup les gars, il n'y a toujours rien de nouveau hein, dans la boutique. Demain on aura peut-être le skin Thanos je pense, vu que le tournoi était hier. Demain ou après-demain. Oula, il y a de l'orage. Je viens de sursauter. Non, pas du tout. Donc du coup les gars, voilà, demain on aura je pense la boutique avec le skin Thanos. On va essayer de regarder. Donc là les gars, du coup le boss est juste en bas. On va essayer d'ouvrir des coffres. Alors attendez, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc voilà, en fait regardez, ouais, c'est juste ce skin là. Alors pareil les gars, il a énormément de vie. Donc voilà. Alors faites gaffe à ça aussi là, ces petits trucs de merde là. En fait c'est des petits aliens qui se posent sur vos têtes. Donc faites gaffe les gars, par contre. En vrai, il est pas fort on va dire, mais il a l'arme mythique et l'arme mythique elle fait mal. Enfin, elle fait mal, ouais. Si on veut quoi. Oula. Attendez, je vais juste essayer de me shield. Il y a tous ces petits trucs là qui me coursent par contre. En fait les petits les tout petits aliens là que vous voyez là, en fait ils se posent sur vos têtes. Et en fait ils vous permettent de voler je crois. Je vais essayer de faire ça en fait si ça marche. Ah ouais, par contre vous voyez, il fait très mal. Ouais, en fait, bah, vous voyez, tiens, regardez là, par exemple, j'en ai un sur ma tête, en fait, et il va me permettre de voler, du coup, je vais pas réussir à le tuer, ah si, c'est bon. Donc voilà, vous voyez, les gars, voilà, l'arme mythique, donc je crois qu'elle fait du 12, ouais, voilà, 12. Bon, en fait, franchement, les gars, voilà, les petits aliens sur vos têtes, là, je vous conseille de les prendre, donc voilà, c'est ça, en fait, donc j'en ai vu qu'ici, pour l'instant. En fait, vous venez juste là, du coup, vous les cassez, vous cassez leurs œufs. Ils ont des petits œufs par terre, en fait, voilà, vous cassez leurs œufs et en fait, ils vont se poser sur vos têtes. Et ça va vous permettre d'avoir une gravité un peu plus importante. Donc, c'est plutôt pas mal. Tout à l'heure, j'ai eu peur, les gars, on jouait en duo, on est passé ici avec un pote et genre, déjà, on a... Déjà on a vu le bot, on s'est dit ah, au bout d'un moment il s'en va, non? Je pense pas que ça dure toute la game. Ah mais c'est que je perds de la vie. What? Mais comment on fait pour l'enlever? Comment est-ce que je fais pour l'enlever? Il m'enlève de la vie? Perde. Attendez, peut-être aller dans l'eau. Allez, casse. Ah ok, d'accord. Donc les gars, il faut juste aller dans l'eau. Donc pour les tuer après, c'est super simple, hein, vous avez vu ça. Ah, en fait les gars, quand vous les gardez sur vous trop longtemps, ils vous enlèvent de la vie, mais c'est de la merde.
Ça c'est ouf. Y a pas un pompe qui draine? Ah bah tiens, regardez. Il suffit de le dire. Donc voilà, du coup les gars, c'était tout, hein, juste pour vous montrer du coup le petit emplacement du boss qui avait cette arme. Donc voilà, on va essayer de finir la game quand même. Les gars, dites-moi, tiens, je vous ai pas encore demandé, c'est vrai que c'est la première vidéo, enfin non, c'est pas la première vidéo, mais c'est l'une des premières vidéos que je fais depuis la nouvelle saison. Là, je vais essayer d'en faire un. Donc là, les gars, à partir de là, comme vous savez, donc là, je travaille au Futuroscope. Là, il était ouvert que les week-ends. Donc là, la semaine, je travaille pas. À partir de là, là, à partir de ce week-end, il est ouvert tout le temps, H24. Donc voilà. Donc là, je vais travailler beaucoup plus. Donc bah, les vidéos, bon, déjà que vous en avez pas beaucoup, mais alors là, vous en aurez encore moins. Franchement, les gars, j'essaie vraiment de faire de mon mieux. Hein. Dès que je trouve une vidéo à faire et tout, je la fais. Mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien faire un kill avec ça, les gars. Pourquoi il y a un bruit comme ça, par contre, là? J'essaierais bien de faire un kill avec le l'arme de Chimera en mythique. En fait, ouais, mais c'est trop bien, en fait, les gars. Enfin, c'est trop bien. Non, je vais pas dire ça parce que j'aimais pas l'arme, mais enfin, je n'aime pas l'arme. En fait, ce qui est bien, en fait, ce qui est chiant, c'est que elle enlève que du 12. Après, ce qui est bien, c'est que elle tire en continu. Elle tire en continu et genre, y a pas besoin de balles en fait. Elle se recharge pas, y a pas besoin de balles et tout. C'est pour ça que c'est bien en fait. C'est comme toutes les armes en fait. Hein. Elle a des points positifs, elle a des points négatifs, comme sur toutes les armes du jeu en fait, entre autres. Hop. Je suis passé niveau 76. Donc ouais les gars, bah, du coup là je vais après avoir fini cette vidéo, les gars, du coup je vais tryharder le mode. Donc là les gars, je vous conseille de tryharder le nouveau mode là temporaire pour faire un maximum de défis. Par contre les gars, on n'a pas eu la sortie des défis normaux. Alors normalement c'était le, alors que la dernière fois c'était bien le mardi. Alors est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que c'est repassé le jeudi? Est-ce que c'est repassé le jeudi ou pas? Je sais pas. On va voir. On va attendre jeudi, les gars. Wow. Les gars, je vais essayer de faire un kill avec l'arme. C'est un petit peu risqué, mais ouais, non, en vrai les gars, c'est chaud. En vrai, elle enlève là le, elle enlève du 12, donc c'est pas mal, mais en vrai c'est chaud de jouer. En fait, faut vraiment jouer avec pour jouer avec, non, pas relancer. Pour jouer avec, en fait, faut vraiment jouer de loin. En fait, si vous jouez pas de loin, bah, ça va être chaud. Donc du coup les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, vous avez l'emplacement du bot. Du coup dites-moi les gars, je veux vraiment que vous me disiez en commentaire, enfin vous me dites en commentaire, tous ceux qui ont vu cette vidéo, ce que vous pensez de la nouvelle saison. Moi je vous l'avais déjà dit, je crois que vous en avez déjà parlé un petit peu aussi quand même. Moi j'aime bien, franchement j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux acheter là? Je voulais acheter la petite danse. Voilà, celle-là. Donc voilà, franchement, les gars, moi je, franchement, j'aime bien, si quand même. Il y a quelques trucs qui sont pas mal. Elle est un peu bizarre sur certaines choses, comme là le mode où on va dans le vaisseau et tout, c'est un petit peu bizarre, mais bon. Voilà. Ah putain, excusez-moi, j'ai le OK. En soi de soi, la saison elle est bien. Franchement, la saison est pas mal. Par contre, là, les gars, je suis vraiment dégoûté, mais genre dégoûté qu'il nous ait mis ça. Je m'attendais vraiment à une boutique, genre avec tous les skins qu'on voit dans la boutique, genre Mida, Julie en maillot de bain et tout. En fait, on se retrouve vraiment avec une boutique basique, quoi. Les gars, il y a ces défis-là qui s'en vont dans 16 minutes, donc je pense qu'il y a les défis verts et les quêtes vertes qui vont ressortir, donc les quêtes à 17 000 XP. Moi, je vais tryharder du coup ces défis-là, ça fait 4 fois que je le répète, mais c'est pas grave. Donc là, les gars, les prochains sont disponibles dans 9 jours, donc là c'est chaud. Donc là on est mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc vendredi il y en aura 3 de nouveaux. Samedi, dimanche, lundi prochain il y aura ces 3 là.
Mardi, mercredi, jeudi. Et jeudi prochain, il y aura ces 3, il y aura ces 4 là du coup. En fait, jeudi prochain, on aura tous les défis. Donc voilà, c'est nickel. Bon les gars, je vais faire ces 3 là. Vendredi, je ferai les 3 autres. Et du coup, ben voilà, nickel. Mais écoutez les amis, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter comme d'habitude, je le répète. Et moi, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.